Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Fallout 4, épisode 17. Et on est stylé, voilà, avec notre petite amie, hein, quelque part. Elle nous a promis des choses, hein, voilà, on verra ce que ça va donner dans le temps. Donc on avait fini, je me dirigeais en direction du musée de la sorcellerie. J'avais essayé de faire le plein un peu en munitions. Et je suis toujours un peu ric-rac. Et attends, j'ai un pistolet laser qui a disparu de mes favoris. Donc ça, ce n'est pas bien. Pistolet, tatac, laser fusil. Pistolet automatique. Ah zut, ça je les ai gardés. Dommage. Je vais me les mettre en favori, tiens. Je vais me les mettre en favori. Voyons voir. Si je prends celui-là, là, ça fait quoi? Est-ce qu'il est bien, ce flingue? Oh, pourquoi pas. Dégâts de 13. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai plein de munitions, donc ça... Oh putain! Ah merde, la Zérotron! Et c'est typiquement l'arme qui n'est pas adaptée pour... Donc on va se barrer. Alors on va faire une sauvegarde rapide. Parce que je sens qu'il va me buter. Il est où? Il vient me voir là. Ok, on se casse. On se casse. Si on pouvait ne pas se faire bloquer par le décor. Ah là. Oh putain, il court vite. Elle est où ma meuf? Vas-y, je recherche tout en sprintant. Je suis un ouf. Oh putain, j'ai les fesses qui chauffent. Il est là. Oh putain, je vais te niquer la gueule. Vous n'avez aucune chance. J'ai aucune chance de toucher. Ok, elle va me faire mal. Ah putain. Putain, mais je veux bouger. Putain. Ah merde, elle m'a fait mal. Pourquoi t'es vénère avec moi là? Je t'ai rien fait. Boum, ça servait à rien. Il se barre le Lazérotron là. Il est là. Wow, 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 wow. Putain, mais elle m'a one-shoté. Mais c'est incroyable. Elle m'a fait un one-shot. Mais je débarque direct aussi, il y a le Lazérotron, bordel de merde. Ok, du coup... Bon, il me faut une autre arme. Et il me faut une autre arme. Mode automatique Fatman. Vas-y, je vais prendre les grenades. Ah, quoique impulsion, c'est bon contre les robots, je crois. Minigun, j'ai plus rien. Donc on va se prendre le fusil laser. Voilà. Oh putain. Ça fait que dalle en dégâts, quoi. Putain, je me barre. Ah, putain. Super, il y a un gros bug. Putain, mais il fait super mal, ce Lazérotron, bordel. Ok, j'ai aucune chance de toucher. Et il me one-shot.
Putain, mais cet enfoiré me one-shot! Vas-y, on va se barrer, putain, il est trop fort! Comment je peux faire? Merde, on démarre direct l'épisode en mode de galère! Vas-y, il faut que je vais lui envoyer direct une grenade. Et je vais prendre le pistolet. Ça me fait chier, mais bon. Ah merde! Putain, mais c'est quoi cette arme? C'est incroyable! Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. On va abandonner le combat. On va abandonner le combat. Merde! Tant qu'il y a un ennemi, je peux pas. Alors on recommence. Grenade à impulsion. Pistolet, boum. Là, il a pas pris cher là. Si, il a pris cher. Sauf que j'en ai plus. Allez, on filoche. Oh putain, il va moins de shotter. Ah, il y a des mines là. Il s'est pris la mine dans la gueule. Et la voiture va exploser, putain, non. Non. Oh, je me suis cogné la tête contre le caillou. Merde, putain, il s'était bien pris les trucs dans la gueule. Putain, c'est bon ça, je vais l'amener au champ de mine. Ça c'est bien, on va y arriver, on va faire ça comme ça. Ok, le pistolet, ça sert à rien, je vais garder mon arme telle que. Voilà. Et je vais lui balancer une grenade à fragmentation. Avant de me faire cramer. Putain. Mais c'est incroyable. Si un combat semble compromis, essayez de rengainer votre arme. D'accord. Je suis pas sûr que ça marche avec lui. Allez, grenade impulsion. Voilà, boum. Boum. Et on se casse tout de suite. Vas-y, je balance une grenade là. Ça marche bien les grenades là. Yes! On t'a eu! Saloperie de merde! Tiens! Putain! Putain, mais. On peut pas la récupérer son arme qui tue tout le monde là? Putain! Putain, putain, putain! Incroyable! Ça fait mal! Allez, je refais une sauvegarde. Voilà. Putain, c'est casse-couille le laser-otron! Bon, en tout cas, maintenant je connais la technique. C'est les grenades. Et j'en ai plus, donc il va falloir que je me rééquipe au cas où. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Oh, le petit véhicule. On peut pas l'utiliser. Le prochain qui me fait des avances se prend mon genou dans l'entrejambe. Figé ? Bah, je t'ai rien dit. Je suis tout gentil. Ah, voilà. Alors. Ok, cartouche. Ok, très bien. Et je vais reprendre la vue, voilà. Là, il y a un autre tank. Ok, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, on retourne. Ah putain, il y a les bestioles là. C'est vrai, j'avais oublié ça. Putain, c'est vraiment un flingue de merde. Hein. Avec mes autres armes, je les one-shot. Et avec ça, bah, je fais rien du tout, putain. Putain de flingue de merde. C'est vraiment pour économiser mes munitions. Hein.
Faudra que je l'améliore, cette arme, en fait. Il faudrait que je la modifie. Wow. Où est-ce qu'ils sont? Il y en a plus. La dernière fois, c'était... Il y avait une tique, là. Qui m'avait bouffé toute ma vie. Passer. Alors, on avait atteint un campement de ghouls la dernière fois, donc faut que je le refasse vu que j'étais mort. je vais parler au monsieur. Il est où le monsieur? Bienvenue. Hey. Ok, bon, bah ils vont se baigner. Ah, c'est marrant, ils vont se baigner. Marrant, ça. Pardon. Ah, c'est toi. Voilà, bon, je vais passer le texte vu qu'on l'a déjà fait. Voilà, je vais faire impressionnant. Voilà, c'est très bien. Voilà. Merci, ça fait bien. Ok, très bien. Voilà, on va accepter la mission. Vous en sortez bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà, il voulait que je les aide. Je trouve que c'est une excellente idée. Sans les marchands, promouvoir leur lieu et à aider nettoyer. Je vous le promets. Formidable. Nettoyer leur la zone de voilà débarrasser la zone des super mutants pour pouvoir faire en sorte à ce que les marchands soient safe. Voyons. Et il y avait lui, là, qui voulait que je retrouve des jouets. Oh, excusez-moi. Voilà. Vas-y. Dis-nous ta merde. Ouais. Voilà, c'est très chouette. T'as raison, j'accepte. Non, je crois. Très bien. Voilà, c'est bon. Merci. C'est bon. Voilà. Voilà, on est beau gosse. Voilà, on est beau gosse. C'est bon. Et donc, et genre, je reprends là où je m'étais fait buter. Je sais même plus par quoi. Et donc, je vais faire une sauvegarde. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a là? J'avais pas vu ça. Je vais faire gaffe aux mines et tous ces trucs. Généralement, il y en a. Engrenage, c'est très bien. Ça peut nous servir. Zut! Merde. De toute façon, on a 25 épingles à cheveux, je pense qu'on est pas mal. Hein. Voilà. Joli. Bah non, c'est nous qui sommes là. Ce qui est à toi est à moi. Crocheter 50 serrures, d'accord. Bon, on déverrouille les succès, c'est très très bien. Bon, argent d'avant-guerre, ça rapporte que dalle. Soupe d'iguane, assiette blanche propre, visière. Plaque chauffante, ça c'est bien. Pâté pour chien, on va prendre. Nettoyant en braxo, je sais pas si ça va apporter des produits... peuvent nous intéresser pour le crafting. Ah, mais des increvables brûlés. Bon. Jet et jet. Ok, très bien. Il n'y a rien d'autre. On se casse. Alors, il faut qu'on traverse. Je sais plus comment je m'étais fait buter, là. Allez, on se dépêche. Voilà. Comment je m'étais fait buter? Ah oui, les pillards. Juste ici. On fonce dans le tas. On fonce dans le tas, j'ai dit. Boum. Ah merde, c'est un flingue de merde. On fonce plus dans le tas. On se camoufle.
Ah putain, mais que c'est de la merde ce flingue, mais c'est incroyable. Bon, je vais reprendre le pistolet, c'est pas grave. Je n'économiserai pas les cartouches, tant pis. Les yeux, là. Ah, on a du mal. Oh putain! Saloperie! Putain! Oh putain, là je t'ai pile poil! Putain, là si je te loupe. Ok, très bien. Super, on gaspille les cartouches. Coup critique, très bien. Putain, il est costaud lui à chaque fois. Tiens! Je m'écarte. Ok. Zut. Tiens, dans ta gueule! Ah merde! Rebalance, putain! Tiens! On va te buter! Alors, je vais... Non, je vais reprendre... Allez, je vais prendre le sniper. On va se remettre un peu de vie. Alors, où est-ce qu'ils sont? Putain, c'est quoi cette armure? Le mec, il porte une cage sur lui, quoi. Il porte un caddie, quoi. Avec un casque de chantier. Je suis loupé. Il y a un mec qui se ramène là. Oh putain! Mais ils sont bien équipés. Vas-y, je vais prendre ça. Et je vais lui balancer un molotov dans la gueule. Voilà, prends ça dans ta gueule. Prenez ça! Ok, on en a buté un. Putain, mais lui, il nous défonce. Il est où? Il se rapproche. Putain, il est résistant avec son armure, là. Oh putain, on va avoir du mal sur lui là. On va avoir du mal. Elle est où ma copine là? Où est-ce qu'elle est ma copine? Je vais essayer le laser sur lui. Putain, mais qui me tire dessus là? Putain, ça a l'air de lui faire que dalle. Putain, ça lui fait que dalle. Et ça, j'ai plus de munitions, super. J'ai plus rien qui marche, Ah putain, mais ça lui fait que dalle. Bon, il y a que le fusil à pompe qui peut lui faire du mal. T'es là, sale fils de pute. On peut le voir par en dessous là. Il est là. Ah, je peux lui viser par en dessous là. Ah voilà, comme ça il me voit pas. Putain, mais comment il fait pour me toucher? Il me voit pas.
Bon, on va se barrer. On va prendre du recul. Comme ça, je vais reprendre le sniper. Là. Oh, ils sont costauds. Putain, il s'est barré. Où est-ce que t'es, salaud? Là, je te vois, là. Et il y a toi qui reviens, là. Ah, putain, ils arrivent à me toucher. Putain, mais ils font mal, bordel. Heureusement que j'ai fait une sauvegarde. Toi, là. Super, ça n'a rien fait. Là. Toi déjà, on va te buter. Putain, je vais te buter. Voilà. Ensuite, il y a toi, là. Putain, ils sont costauds. Je gaspille tous mes steampacks. Allez, toi tu vas prendre cher. Tu vas crever, ouais. Allez, voilà. À toi maintenant, putain. Tiens, on va te balancer un molotov à distance. Ouais, trop court. Tiens, putain, ça lui baisse de que dalle sa vie, bordel. Tiens. Putain, ça y est, c'était mon dernier steampack, super. Putain. Et où est ma meuf? Elle se repose. Tiens. Putain, sa vie baisse de rien du tout à chaque fois. Putain. Oh, on va te buter, hein. Salaud. Là, t'es plein de sang partout, là. Prends-toi ça dans ta gueule. Putain, heureusement qu'on est blindax là en termes de munitions, mais c'est vraiment une arme de merde. Putain, je vois même s'il va pas réussir à me buter avant que je le bute. Si, il va me buter. Il va me buter, j'en suis sûr. Putain, il est bien son casque. Faudrait que je lui pique. Ah la vache, mais j'ai plus rien. Est-ce que j'ai... Eau purifiée. Très bien. Eh ben voilà. Allez, on se le termine. Suffit les conneries là. Putain, tu as crevé, ouais. Putain d'armure. En plus, son armure est bousillée. Tiens.
Allez, on y est presque là. Là, t'es sur la fin là. Je vois ton compteur de vie. Boum! Allez, on se reprend de l'eau. On boit de l'eau. Bon, elle était où ma meuf là? Elle m'a complètement abandonné là. Carabine de combat. Ah, c'est pas mal ça. Arme à verrou de fortune. Vas-y, je prends. Wow, wow! Putain, il y en a encore quelques-uns. Ça y est, je suis surchargé. Carabine de combat. Je pense que c'est pas mal la carabine de combat en fait. Eh ouais, c'est pas si mal. Ah, très très bien. Vas-y, faut que je lui passe des trucs à elle. Si tu, je ne peux pas lui parler. Ah putain, il m'a fait peur ce con. C'est quoi qui nous tire dessus là? Ok, en plus je suis surchargé. Ça me fout la merde. Ah, c'est ça là. Trop court. Là, je suis dessus là. Ouais, c'est normal que je le touche pas là. Faudrait que je reprenne. Vas-y, je vais me foutre ça. Non, ça c'est ça. C'est où? Carabine de combat. Je vais me le foutre dans les favoris. Ici. Voilà. Du coup, comme ça, je reprends mon fusil de chasse. Ok, elle me file un coup de main, ça y est, elle s'est réveillée. Putain, cette tourelle est un boss aussi, putain. Il y a plein de boss là-dedans. Ah là. T'es là, fils de pute. Tiens! Mais tiens! Alors, où est l'autre? Là, il y en a plus qu'un, là. Vas-y, je vais me reboire un coup de flotte, ça fait du bien. Merde, encore une tourelle! Mais il y en a combien de tourelles? Ah, je suis pile dessus. Zut.
Putain, je vais te niquer. Je vais te niquer, sale tourelle de merde. Putain, elle fait mal, bordel. Pareil, ça. Bon, où est le dernier ? Ah, putain ! Il y en a combien ? Ah, elle est là. Elle est juste là. Où est ma meuf, là ? Elle est morte encore ou quoi ? Très bien, putain, c'est... Wow, c'était costaud, là. Alors, où est ma meuf ? Que je me décharge sur elle, là. Faut que je me vide. Faut que je me vide. J'avais fait le ménage, là. Brassard en cuir, nanana. Ok. Cartouche 10 mm, mine à capsule, terminale. Ah bah super, je pouvais les couper là. Allez, on dégage. On sauvegarde. Là, y'a rien. Ah bah te voilà, que je te cherche. T'es où ? Non mais dis donc. Dis donc. Attendez là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le moment que je préfère dans ce boulot. Alors. Oh putain, c'est un nouveau type d'armure assistée, putain. C'est bien ça. Stocké. Oh, remarque, ça fait que dalle en poids en fait. Bah c'est pas grave. Je vais trier par poids du coup. Je vais te filer. Je vais te filer les Fat Man, effectivement. Vu que pour l'instant. Ah merde, j'ai gardé ça, d'accord. Carabine de combat, je t'enfile une. Et ça, putain, c'est pas mal ça. Ah mais on se récupère des trucs qui ont des bonnes armures, dis donc. Casque de mineur, bon ça je m'en fous. Casque en métal, non. Masque à gaz, non. Ok, elle peut plus rien prendre. C'est très bien. Du coup, viens voir les tenues. Qu'est-ce qu'on a pris là ? Bras droit de pillard. Ça, c'est pas mal. Jean-Gauche de pillard. Donc ça, je m'en fous. Non. À quoi on ressemble ? Ouais, c'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Voilà, ça fait un peu ferrailleux, mais c'est pas si mal. Donc je vais reprendre cette nouvelle arme-là, qui m'a l'air sympatoche. Voilà. Qu'il va falloir que je mode un peu. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ici ? On se prend une petite cigarette. Là. Alors. Eh. Hey. Ah putain, c'était des cannibales, bordel. Et c'est dégueulasse. Ah, très bien. Viande en boîte. Tenue sportive. Oh, elle a pas l'air si sportive que ça, ta tenue. Brochette d'écureuil.
D'accord. Des os, ok. Et là encore, des os. Où sont les cadavres des pillards? Où est-ce que je les ai butés déjà? Là, il y en a un là. Steampack, très bien. Casque de mineur, ça peut se refourguer. Ah, très bien. Ah, c'est une passerelle, d'accord. C'est rigolo. Ah, il y a des mecs là-bas. Ok. Ah, grenade. Très bien. Très très bien. Qu'est-ce que nous avons là? Très bien. Très bien. Alors, nous descendons, voyons voir qu'est-ce que nous avons ici. Dunwich Borers. Je pense qu'il va y avoir des pillards là-dedans. Quelle est cette nouvelle zone? Où est ma meuf? Putain, elle me suit plus! Pff, la musique qui fait peur. Où ça, ça pue le piège, ça? Très bien. Piège à arme à feu. Ok, très bien. Je repère les pièges maintenant. Oh putain, je vois un mec là-bas. Je me mets en mode discretos. Difficile de crocheter ça. Il faut une clé. Merde, il faut une clé. D'accord, donc faudra que je revienne. C'est d'accord. Là, il y a un mec là. Comment t'as fait pour me voir? Vas-y, on va te défoncer. Mais il est très bien ce fusil. Oh putain! Oh putain, ma vie! Bordel! Je vais faire une sauvegarde. On sait jamais. Tiens, dans ta gueule. Et voilà, la justice a été faite. Ok, c'était quoi qui m'emmerde là? Ah putain, c'est ça. Putain de saloperie de merde. Tiens. Tiens.
Et tiens! Putain, j'ai déjà plus de vie, mais c'est incroyable! Merde, j'ai pris un jet. Merde! Je me suis drogué sans faire exprès! Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Ah mais je suis en slow motion! Ah putain, c'est ça que ça fait le jet! Ça nous met en slow motion, d'accord. Eh bien écoutez, c'est bon à savoir. Mais je suis sûr que ça me drogue. Que c'est pas bien de faire ça. Oula, je me suis déplacé. Je me suis téléporté. Ça, c'est les effets de la drogue. Ça téléporte. C'est pas bien de prendre de la drogue, les enfants. Ça nous téléporte. Ok. Merde, là, on va se le faire, putain. Alors, au moins, on limite les dégâts en se mettant en mode SVAV avec ça, parce que... Voilà. Ils aiment bien les casques de mineurs ici. Ah putain, c'était un piège. Bordel. Sécurité, événement à venir. Commande des tourelles, putain, j'aurais pu la désactiver ici. Pique-nique annuel. Communication. Message urgent. Votre présence est requise immédiatement à la station 4. On vous expliquera la raison sur place. Intéressant. Demande de nouvelles poutres de soutènement rejetées à plusieurs reprises. Merci pour le travail fourni sur le terminal de la station 1. Le rendement actuel de la station 1 est le meilleur de l'année. Beau travail tout le monde. Nouvelles de la station. Nous continuons à produire des blocs de qualité. D'accord. Sécurité avant tout. Porter des lunettes de protection. D'accord. Chute de débris. N'oubliez pas que nous sommes dans une carrière et que les conditions de travail peuvent être dangereuses. Nanana. D'accord. La direction. Rambarde. Tout comme les poutres de soutènement, les rambardes coûtent de l'argent. Nous les avons placées à des endroits stratégiques. Rappelez à vos employés de faire attention à leur environnement. Bah, écoute, c'est d'accord la direction, voilà, écoutez. Événement à venir, happy hour, c'est l'heure, rejoignez-nous à la crevasse, station 3. Oh putain, je sens qu'il va y avoir du monde. Les boissons sont fournies et comme toujours, la facture sera divisée entre tous les participants et déduite de la paye de la semaine prochaine. Je sens qu'il va y avoir du monde. Près de l'entrée de la carrière, quel que soit le temps, apportez un plat de votre choix. Nous fournirons le Nuka-Cola. Si vous amenez vos enfants, surveillez-les, surtout s'ils jouent près du bord de la carrière. D'accord. Mais ils ont l'air tout gentils, finalement. Pourquoi ils sont si méchants, les pillards? Allez, on recharge. On ne sait jamais. Là, il y a quoi, là? Il n'y a rien. Donc allons récupérer les loots. Cartouche, tac, casque de mineur. Ok. Et la tourelle, boum, boum, boum. Et poste de cuisine. Non, non, c'est bon. Au pire, on boira de l'eau. Alors est-ce que je descends ou je monte? Là, il y a un piège, là. Voilà, très bien. Ah bah c'était facile. Jet. Ok. Alors continuons. Hey.
Oh putain, je te vois, mec. Je vais te viser les faces. Comment je fais pour le louper? Je suis juste en face, bordel de merde. Wow, non! Je me suis foutu sur la grenade. Putain. Zut. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Ils sont jolis, ces petits pins. Ok. Donc, on redémarre ici, c'est très bien. Alors, je reprends les trucs. Ici, là. Voilà, on va essayer d'y aller moins comme un bourrin. Voilà, je reprends les trucs qu'il y avait là. Zut! Oh putain, j'ai bien fait d'aller vite. J'avais oublié qu'il y avait le piège. Zut. Ok. On va le tirer d'ici, là. Prendre le fusil à lunettes. Il arrive. Il arrive. Tu vas brûler. Plotch. Putain, il m'a encore fait mal. Faut que je reboive de l'eau. Et je commence à plus beaucoup en avoir de l'eau. Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'on se refait en munitions. Si je sauvegardais. Wow. Un boss! Vite, cassos. Ah merde! Putain, j'ai bien fait de sauvegarder. Putain, mais ils font extrêmement mal. C'est incroyable. J'aurais dû prendre mon armure. Je vais changer d'arme. Arme à verrou. Elle avait l'air de faire mal, celle-là. Et j'ai une grenade dans le cul. Ouf, ouais, elle fait mal. Elle fait très très mal. C'est quoi ce viseur là? Putain, c'est moche. Ah merde. Wouah putain, mais il me défonce en deux coups. Incroyable. Ah merde, j'ai plus de grenades. Aïe, dans le cou là. Ça, c'est gênant pour respirer. Et je glisse. Putain, mais il fait extrêmement mal. Hey, c'est sympa ça. Putain, mais il y a des armes hyper stylées. Ok, je me casse, je m'en vais, voilà. Je vais prendre cette arme là un peu spéciale.
Je vais mettre en favori, tiens. Voilà. C'est lui, là. Putain, je sais pas ce qu'il a comme arme. Mais c'est très méchant. Et tu sais quoi? Tiens! Et je vais tirer sur la grenade! J'en ai rien à foutre! Vas-y, je vais reprendre du jet! Ok, j'en chie, je me fais tuer de partout. Vas-y, je prends plein de jets. Je prends tous les trucs. Tiens. Je prends tout. Voilà, boum. Merde, il se camoufle. Là, je t'ai explosé la gueule. Putain. Ah putain. Même avec tous les stimulants et tous les trucs, je n'ai pas réussi à le tuer. Putain, lui, il est fort. Il a, je sais pas, il a une arme qui fait extrêmement mal. Donc, on repart par là. Putain, et j'ai plus de grenades, j'ai plus rien, quoi. Et où est ma meuf, putain? Vas-y, je vais essayer de retrouver ma meuf, là. C'est pas normal qu'elle soit plus là. J'ai besoin d'elle. Là, sans elle, je peux pas avancer, là. J'ai besoin d'un coup de main. Alors, où est-elle? Tiens, du coup, je vais me remettre cette arme-là qui fait bien mal en favori. T'es où, ma grande, là? J'avais pris les trucs là, et non. Tu peux venir avec moi s'il te plaît? Ah, c'est parce que je lui avais dit de rester. Hé, hey. Qu'est-ce que tu veux? Allez! Ok, j'y vais. C'est bon, tu me suis? Ouais, putain. D'accord, c'était parce que je lui avais dit sans faire exprès de rester, d'accord. Allez, on s'y retourne. On va les buter, putain de merde. Non mais, tu te fous de ma gueule? Hey. Par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est coincée? Qu'est-ce qu'elle fait? Putain... Il y a un caillou qui la gêne. Venez ici. Ici. Viens ici. Tu peux oublier, c'est inaccessible. Non mais... T'as un escalier, là. Allez, là-bas. C'est parti. Allez. C'est pas jouable. Non mais vous vous foutez de moi. Ah putain. Allez là-bas. Ah, viens ici.
T'es où? Là, ok. Là, suis-moi. Voilà, suis-moi, s'il te plaît. Arrête de faire les bêtises. Hey. Oh, putain, mais... Là. Là, là, viens là. Faut tout lui dire. Allez, ma grande, allez. Viens dans la mine. Attendez là. Bon, ben c'est pas trop tôt. On y va. Si tu veux crever, j'ai ton choix. Allez, on y va. C'est bon, il nous suit. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce qu'elle est avec nous? Oui. Donc déjà, on va jouer à armes égales. Et viens, ma grande. Viens m'aider. Là, je vais sauvegarder. Boum. 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 On lui met la misère. Pousse-toi. Oh putain, j'ai cru que c'était elle. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ok, ça c'est bien. Lui... Merde. Je vois plus personne. C'était peut-être rien. Ok, lui c'est le boss. On oublie. On oublie, c'est le boss. Elle arrive à voir quelque chose? Si, si, ils sont là. T'es sourde, ma pauvre vieille. Là, il est bloqué, là. Oh putain, dans le dos, là. Ah, je lui ai fait mal. C'est bon. Alors, est-ce qu'ils viennent par ici? La tête. J'annule. Oh putain, ça y est, ils deviennent vénères. Vas-y, on se met les soins. Ah merde, elle s'est fait buter. C'est bon, elle est pile dans l'axe. Non, je veux l'autre. Lui, déjà, je le bute. Voilà. Voilà, déjà, un de moins. Je sauvegarde. Il est là. Il est là. On va attendre qu'il sorte un truc, là. Il lance une grenade. Putain. Là, j'ai ta tête en ligne de mire. Oh putain, je peux le baiser. Si j'arrive à viser. Ouf. Merde, grenade. Grenade. Ah putain. Ouh, on va y arriver.
La coupe de cheveux en mode bombe atomique. Là, il était où, là? Ok, on a plus de... Ok, super. Aïe, il m'a visé le sexe. Putain, mais il est extrêmement fort, celui-là. Ça va être coup de bol si j'y arrive. Ouais, c'est un putain de boss. Voilà, il va balancer une grenade, cet enfoiré, alors faut tout de suite le buter. Oh putain, je lui ai fait mal. Et il jette une grenade. Et on se fait exploser par la grenade. Il est chiant aussi à balancer ces putains de grenades. Ah, très bien. Très bien. Eh merde, putain, mais... Son flingue me tue en one shot, c'est incroyable. Putain, je vais te buter. Je vais te buter. Là, si tous mes coups sont bons, je te bute, là. Allez, mais tire. Ouf. Ouah, je lui ai foutu full dégâts, là. Ok, il jette une grenade. Et je... Oh, putain, c'était juste à côté. Tue-le. Ah, putain. Il s'était remis de la vie, l'enfoiré. Putain, il a sprinté, le mec. Nous allons y arriver. On va te buter. Voilà, la tête, ça marche bien. Voilà, on te prend par surprise. Ok, ça marche plus. On se casse. Ah, parce que de toute façon, il sort ses grenades, donc vas-y. T'es où? On va attendre que tu sortes, là. Boum! Dans l'œil. Vas-y, je refais une sauvegarde. Vas-y, sors de... Vas-y, viens me voir. Viens me voir, là. Ah putain, il rejette une grenade. Ah, je suis bloqué par les barrières. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est bien, c'est intéressant. Ok. Allez, viens. Je vais te baiser. Je vais te baiser. Putain, il s'est remis de la vie encore. Putain, je te baise, là. Putain, j'ai dit que je te baise. Putain, mais... Wow, wow. Putain, ah, putain. Ah, je suis impressionné par son talent, hein, ce mec. Il est très, très fort. Il est extrêmement fort. Mais on va l'avoir, on va l'avoir. C'est moi qui vous le dis. Là, tu me vois pas, là. Putain, mais on lui fait des putains de coups critiques, en plus. Eh oui, t'es devenu aveugle. Super, même aveugle, il arrive à me buter. Mais ce mec a un talent de ouf. Ouf. Ouh, ça m'intéresse. Un beau petit désertique. Ça ressemble à... Ah non, c'était un magnum. Un magnum... Oh putain, la jambe.
dans la jambe. Aïe, aïe, aïe. J'ai reçu une balle dans les fesses. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? T'es où? T'es là. T'es là, fils de chacal. Ouf! Dans la mâchoire. Putain, je vais te baiser. Je vais te baiser la gueule. Putain, il adore les grenades. Là, je te baise, là. Merde. Je t'ai pas baisé. Non. Oh, putain. J'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Merde, je n'ai plus rien. J'ai plus rien. Mais va te faire foutre. Sors de là. Sors de là, j'ai dit. Putain, on peut lui foutre un one shot là. Putain, mais. Eh putain, mais. Oh la mort, la mort. Ah, on était à deux doigts. On était à deux doigts. Il me balance sa grenade, voilà. Là, je lui tire dans l'œil. Ouf. Putain, mais pourtant, il a un flingue qui est somme toute basique. Hein. On est pas mal, là, sur l'escalier. On va rester là. Ouf, là, je te fais mal, là. C'est quoi? Je vais prendre ça. Il est où? Là, là, là! Putain, on était encore à un doigt de le buter. Ah, cet épisode de la loose, mais c'est incroyable. Ah, les combats, ils ont été durs dans cet épisode. C'est pas des pillards de pacotille. Ah putain, mais regardez, il m'a touché deux fois, j'ai plus de vie. C'est quoi, c'est mon armure qui est naze? Je comprends pas. J'ai déjà plus de vie, j'ai plus rien. Il faut que j'aille dormir. Là, je t'ai vu venir. Merde, j'ai visé le bras. Merde, ça sert à rien le bras. Ah putain! Mais il file à la vitesse de la lumière! Mais c'est incroyable! C'est quoi ce perso? Putain, mais c'est incroyable! C'est sorcellerie! Là, t'es dans le coin, là. Sors de ta cachette. On va rigoler. Eh, c'est un pillard endurci en fait. Il s'est passé quoi? Oh putain, il se ramène. Là, c'est le moment de l'avoir. Putain, là, je te bute, bordel. Merde, putain! 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 C'est pas le moment! Deux grenades. Non, mais vous vous foutez de ma gueule. Je me cache! Putain, regardez-moi ça! Non, il est trop fort!
Je n'arrête pas de mourir. Putain, mais il est d'une force. C'est incroyable. Putain. Salopard. Je vais reprendre ça. Il est là. Là, putain, si je fais que des one shot, je le bute, bordel. Merde, putain, mais ça marche pas. Et mes points d'action qui remontent à une lenteur, là. Waouh! Mais waouh quoi! Mais waouh! Waouh! Mais ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Mais comment on le tue? Mais je n'arrive pas à te buter! Ok, bon, la grenade va pas me faire de mal. Putain, mais. Tiens! Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que tu t'en es pris plein la poire. Putain. Je te bute. Putain, mais... Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. À chaque fois que je suis à deux doigts de le buter, il me tue direct. C'est quoi? C'est le perso qui a un bug en lui-même? Il est imbutable? Voilà, bon, à chaque fois on lui fait le coup critique. Ah putain, je suis bloqué par la barrière. Allez, je sauvegarde, voilà, je vais faire une sauvegarde à chaque coup que je lui fous, bordel. Là, il se planque. On va attendre qu'il sorte. Là, sors de là. Sors de là, putain. Tu vas sortir, bordel ? Putain ! Je te tue ! Allez ! Le coup de fusil de l'espoir! Putain! Ah putain! Regardez ma vie, mes bordels, mais. Ah la vache! Mes fils de pute! Capsule, boum, grenade à fin. Carabine, mais. Putain, mais c'est quoi cette carabine? Ah ça y est, je suis surchargé. C'est quoi cette arme de dingue là? 57. Bah tu m'étonnes. Mais vachement bien. C'est cette arme là. Putain. Je vais me la foutre en favori. Je vais me la garder tellement elle est puissante. Ouais, ici, là. Vache. Salaud. Et toi, là? Siaos, ok. Et il y avait un autre mec, là-bas, sauf que je suis surchargé. Est-ce qu'on peut, du coup, se barrer? Est-ce qu'on peut... Ouais. Ah merde, je peux pas me déplacer quand je suis trop chargé. Zut. De quoi je peux me défaire? Je vais me défaire de ça déjà, ce sera pas mal. Eh mais attends, mais j'ai baissé en choses que je peux porter, je suis à 245. Ok,
Ok, ça j'en ai trois de ces merdes aussi, c'est de la merde. Voilà. Oh, bel alignement. J'ai pas fait exprès. Bon, bah écoutez les petits amis. Voilà. Je vais me barrer et puis on va en rester là. Parce que là, oh, ce combat m'a épuisé. Oh la vache. Allez, on se barre. Ah merde, faut que je sorte. Bon ben on ressort. On ressort et puis on va se décharger de tout ça. Allez, c'est où la sortie? Bon, au moins je suis content, j'ai récupéré son flingue. Parce qu'à mon avis, là son flingue, mais je vais faire des one-shots chez tout le monde. Il faut que je me refasse des steam packs là. La vieille, elle doit en avoir. La vieille. Donc déplacement rapide. Déplacement rapide. Non! Ah putain. Oh, j'ai eu peur que ça soit bloqué. Qu'est-ce que putain. Ah, c'est, des fois ça nous fait flipper aussi ce genre de choses. Le bug qui te fait bousiller ta sauvegarde. Je sais même pas si j'ai sauvegardé après avoir tué le mec. Ça serait trop con. Je crois que je vais sauvegarder tout de suite, on sait jamais. Sauvegarde, voilà. Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Ça me fait peur. C'est... Ok, c'est bon. Ça me fait peur quand ça bug. Bon, on va fabriquer. On va fabriquer. Donc déjà ça là. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux vous parler? Et je sais pas, personne. Culasse à corps lourd. Culasse 308. Ah mais elle est déjà boostée au maximum. Ah ouais, elle est déjà à level max quoi. Putain, c'est trop bien. D'accord, là je peux pas. Putain, mais elle est level max cette arme, c'est incroyable. Oh la vache. Un silencieux, ah, ce serait marrant ça. Ah, il me manque des adhésifs, d'accord. Ok, alors, en fait c'est la même chose. Donc je vais recycler cette merde. Vu que j'en ai plus besoin. Ça je garde. Et ça là, ça c'est... Si vous tombez sur eux, tuez-en quelques-uns pour moi. Ce qui m'emmerde, c'est que c'est lent à recharger, ça. J'aime pas ces armes-là. J'ai bien envie de m'en débarrasser, moi. Ouais, je m'en débarrasse. Allez. J'ai plus de raison de me plaindre. Tout ça, là, je ne peux rien faire. Fusil à canon double, est-ce que je peux l'améliorer? Non. Cross court, cross complète. En fait, il me manque des adhésifs, là, pour le coup. Il me manque des adhésifs. Hein. Tu fais quoi, là? Ta gueule. Stocker bric-à-brac. Ok, déjà on s'est pas mal déchargé. Et j'ai récupéré. Tiens, je vais me fabriquer un second poste d'armure. Zut, il me manque de l'aluminium.
pour pouvoir mettre les nouvelles pièces d'armure que j'ai là. Comment je fais pour les mettre ? Elles sont bien dans mon inventaire. Ah, faut peut-être une armure différente. Ah non, c'est la meuf qui les a. C'est la meuf. Elle est où ? Hey. Qu'est-ce qu'il y a ? Tout prendre. Ok, allez, je transfère le bric. Ah, attends. C'est quand on se prend en sécurité qu'on est plus vulnérable. Vas-y, je vais transférer le bric-à-brac. Et du coup, est-ce que ça me fait des adhésifs de plus ? Fatman. Je vais peut-être pas le recycler. Je vais peut-être plutôt le vendre, à mon avis, le Fatman. Vous feriez mieux de la couper. Les murs ont des oreilles. Excusez-moi. Comment ça se fait que je n'ai pas plus d'adhésifs, vu tout ce que j'ai récupéré ? Ah, faut que je les recycle ? À chaque fois ? C'est peut-être ça le problème. Suite, non, c'est pas ça que je veux faire. Transfert. Pour le recyclage, je fais comment ? Faut que je le fasse à la main ? Ça, je comprends jamais ça. C'est un peu obscur. Pourquoi tu me braques, toi ? Voilà. Stocker, tout prendre. Ouais, en fait, faut que je la mette sur un établi. Ah, putain ! J'ai affaire. Eh ben alors, ta gueule. D'accord, comment je fais ? Je veux recycler des affaires. Je sais pas, il n'y a pas une technique simple pour recycler là-dedans, là. On est obligé de tout prendre. On est obligé de faire ça, franchement. Ça, c'est un truc encore que je ne comprends pas. Donc, divers, bric-à-brac. Donc jeter. Je pense pas que ça soit comme ça, c'est pas possible. Putain. Allez, on recycle. Il doit y avoir une autre méthode. J'ai vu passer de l'aluminium. Par contre, je ne vois pas encore l'adhésif. Aluminium. Matériaux nucléaires. Je pense que c'est utile, ça. Aluminium, très bien. Acide. Intéressant.
Putain, il doit forcément y avoir une autre technique que ce que je suis en train de faire, mais... non, c'est pas ça que je veux faire. Allez, on va y arriver, on va y arriver, on y est presque là. Je vois pas d'adhésif, hein, c'est fou, hein. Je vois tout sauf de l'adhésif. Ah là, j'en vois un là. Voilà. Putain, il faut qu'on en récupère plus de l'adhésif. Aluminium. On commence à être bien en alu, hein. Ok, il n'y a plus rien. S'il y a encore des trucs là, c'est quoi ça? Un gant de baseball. Ah là. Là, il y a un os. Ah là. Oui, je suis encore trop chargé. Voyons voir. Et ça, c'est quoi ça? Ok. Toi. Salut, Carla. Il vous faut quelque chose? Ouais, la grande. Voyons ce que vous avez. Ouais. N'enlevez pas votre chemise pour autant. Ok, alors est-ce que tu as de nouveau des Steam Pack? Soigne toutes les dépendances. Ah d'accord, ça soigne les dépendances. Accident, radiation, bière. Ah c'est pas mal ça, en fait ça redonne de la vie. Ça aussi. Au purifié, ça je prends. Ensuite, ralentit le temps pendant 10 secondes, d'accord. Ah d'accord, le Nuka Cola donne des points d'action. Ah, je ne savais pas. Poche de sang, c'est pas mal. Dégâts, oui, d'accord. Purée, une minute. Ça coûte cher, ça. Je vais en prendre un. Ça aussi, je vais en prendre un. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Charge maximale plus 25, c'est bon, ça? Viande de fangeux rôti, point d'action max. Putain, mais je ne savais pas, d'accord. Donc ça devient intéressant de cuisiner des choses. D'accord. Le vin. Ah, elle a pas de steam pack, d'accord. Ok, bah écoute, je vais te vendre... Tu as quoi en munitions? Tu as quoi en munitions? Attends, t'as de l'adhésif, toi? Ah, je crois que j'avais vérifié, mais t'en avais pas. Non, t'en as pas. Munitions. Cartouche de 308. Ah, mais c'est moi, ma nouvelle arme. Vas-y, je prends. Très bien.
Très bien. Donc, qu'est-ce que je te file en échange ? Ça. Ça, ça. Ça, ça, je m'en fous. Carburant de lance-flamme. Ouais, je vais garder. Casque de mineur, vas-y, je vends, je m'en fous. Ça donne mieux, une meilleure résistance, mais je m'en fous, c'est moche. Casque de pilote jaune, putain, c'est pas mal ça quand même. Je vais le vendre, c'est pas grave. Casque en métal. Crédit de récompense, je ne sais pas ce que c'est. Fatman, je vais en vendre un. J'en ai deux, j'ai pas besoin d'en avoir deux. Fusée éclairante, je m'en contrefous, c'est pas grave, je vais les garder. Que dalle en poids. Ça, je vends. Ça, je vends. Voilà. Ça, je vends. Ça aussi. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je vends. Ça, je pense que je vais finir. Quoique, je peux encore l'améliorer, en fait. Donc, je garde. Carabine de combat. Celle-là, je la vends. J'en ai pas besoin. Chambière droite. Hey, c'est pas si mal. Ça, je garde. Ça, je garde. Ah zut, je n'arrive pas à m'aligner. Alors, je vais virer quelques trucs. Je vais virer ça et ça. C'est quoi qui coûte cher là ? Prix par valeur. Qu'est-ce qui me coûte cher ? Qu'est-ce que je lui ai pris qui me coûte cher ? Je t'ai pris quoi qui me coûte si cher ? C'est ça ? Ah ouais, c'est ça. Bon, bah j'enlève alors. Ok, c'est bon. Alors, est-ce que je peux modifier des trucs ? Mais voilà. Là, je suis à fond. Attends, mais... Je viens de trouver de l'adhésif. Je ne comprends pas. Je viens d'en faire de l'adhésif. Donc, comment il peut me dire que je suis toujours au même niveau ? C'est pas possible. Alors, je pige pas. Adhésif 1. Putain, j'en ai fait un tout à l'heure pourtant. Je comprends pas. Je comprends pas. Du coup, j'ai trouvé aussi de l'aluminium. Donc, voyons voir. Putain, maintenant c'est de l'huile qui me manque. Mais tout à l'heure c'était l'aluminium. Mais c'est pas possible, il y en a qui ont disparu.
Vas-y, Ballistec. Chariot de diagnostic de garage. Bidon d'huile usagé, vas-y, boum. Si je recycle les trucs là, je m'en fous là. Toi, je peux te recycler, non? Établi. Ah, j'ai un établi d'armure. En fait, j'en avais un là, putain. Ah, du coup, on peut se booster les armures normales. Hein. C'est bon ça. Je fais combien en 214? Belle journée pour une promenade. Alors, je vais me mettre. Je vais me mettre. Quoi? Ta gueule. Je vais me mettre ici des trucs. Je vais me mettre. Dans les armes. Le Fat Man, de toute façon, voilà. Et le Minigun, je le garde. Minigun, je garde. Et les tenues... Ouais, je vais mettre ça, 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 ça. Ok, ça, ça, ça. Voilà. Ça, je peux pas virer, ok. Ça, je me vire. Voilà. Ok. Voilà, comme ça, je range toutes mes affaires là-dedans. C'est mon placard à moi, vous n'y touchez pas. Voilà. Bon. Eh ben, je n'ai plus de vie. Et elle fait la conne là-bas. Donc j'ai plus de vie. Bon, écoutez, on va finir cet épisode là-dessus. Voilà, c'est. J'ai encore un peu de mal avec le recyclage là. Il n'y a pas une meilleure technique pour recycler les trucs. Je comprends pas. On est obligé de se les foutre au sol à chaque fois. C'est casse-couille. Et ah oui, puis je crois que ma meuf en fait. J'ai déchargé ma meuf là. Hey. Je t'ai déchargé toi. Je sais même plus. Oui, je l'ai déchargé, donc c'est très bien. Bon, écoutez, les petits amis, voilà, on en reste là. Et donc, on se dit à la prochaine. Et puis, j'espère que la prochaine fois, on va l'atteindre, ce musée de la sorcellerie. Allez, à la prochaine. Bisous. Ciao.